Bonjour et bienvenue dans Archiurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je me trouve tout en haut de la tour Up, la tour la plus haute de Bruxelles, pour y rencontrer une photographe qui s'appelle Marie-Françoise Plissard. Nous allons découvrir ensemble les secrets de son travail. Marie-Françoise, c'est vraiment avec une joie non dissimulée que je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui dans cette émission d'Archiurbain, parce que ça fait environ 7 ans qu'Archiurbain existe, ça fait 7 ans que l'on me parle de toi, qu'on me loue toutes tes capacités, etc., de photographe. Et donc j'ai l'impression de recevoir une star aujourd'hui. Et tu en es sans mots, en fait. Sans mots, oui. Continue. Je peux quand même continuer. Non, je vais voir comment tu vas retomber, quoi. Comment je vais retomber? Ben, écoute, je vais simplement retomber en disant, tu es donc la star des photographes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est ton travail, c'est comment tu fais pour avoir les plus belles photos d'architecture à Bruxelles. Comment veux-tu que je réponde à cette question? Alors, je pense que je prends le temps. Je ne sais pas, j'aime vraiment, tu vois, ici, regarde, voilà, ici nous sommes sur la tour, oui, upside. Oui. Ce n'est pas une bonne soirée, la lumière, il fait gris, il n'y a rien qui ressort. Eh bien, je vais revenir, d'abord je vais attendre que la nuit tombe tout à fait, peut-être que tout à coup, ça va devenir très bien à un certain moment. Et puis je vais revenir, je cherche, j'arpente, je regarde de tous les côtés, et puis à un moment ça tombe. Ici, effectivement, on est très haut, mais tu as déjà fait Bruxelles, tu as déjà vu ce paysage. Et les toits, c'est jamais la même chose. Même tu as le même point de vue, mais vous êtes à deux photographes, vous n'allez pas voir la même chose. Les nuits ne sont pas les mêmes. Oui. Ça, c'est fou, mais rien que ça, c'est déjà un moteur pour y retourner. Allons voir le paysage, alors, puisque nous y sommes. C'est quoi? C'est les nuages qui font le secret d'une belle photo? Est-ce que c'est un équilibre entre ce que la photo représente symboliquement et la forme géométrique qu'elle a, mm-hmm, dans le paysage? Peut-être, mm-hmm, c'est quelque chose, mm-hmm, comme ça. Tu vois, par exemple, là, je vois cette église de la Reine. Il ne fait pas très beau. Dans la même image, j'ai une forêt, la forêt qui entoure le parc royal, des maisons des années 30, cette église de la Reine qui est extrêmement symbolique à Bruxelles. Et puis, donc j'ai quatre époques qui se télescopent et qui sont des vraies unités et qui s'agencent bien aussi dans l'image, tu vois. Et tout est gris aussi. Mm-hmm. Et peut-être que tout ça, ça va donner une chouette image. Moi, je cherche des géométries, j'essaie qu'il y ait une harmonie. Tu vois que les lignes se croisent, oui, et que, oui, ça fasse, oui, un petit univers qu'on comprend en une, mm-hmm, seule fois. Mais pourquoi l'architecture? Pourquoi plus l'architecture que l'humain ou la nature? Mais attends, l'architecture, ici, tout ça, c'était construit par des hommes, c'est habité par des hommes, c'est que de la pensée humaine. Mais c'est pas un portrait physique. Tu fais ça aussi? Oui, je fais ça. J'adore faire ça, aussi, tout à fait. Ah. Et là, dans le film que je suis en train de faire, le film d'architecture, oui, eh ben, je fais des portraits filmés. Et c'est pour le moment, c'est ce qui donne le mieux. C'est mieux que toute l'architecture. J'ai ces portraits, je photographie l'architecte, les ouvriers, tout comme ça, dans une lumière. Ils sont là, ils me regardent. Moi-même, quand je fais une minute, je suis fatiguée tellement c'était fort. Eux aussi, c'est comme une épreuve, quoi. Tu vois? Je pensais que tu n'étais que, entre guillemets, photographe et pas vidéaste. Et ça, c'est une nouveauté que j'apprends. Est-ce que pour toi, l'œil est le même ou est-ce que le travail est quand même fort différent, non? Ben écoute, quand je fais ces portraits par exemple, qui a cette durée, donc je fais des portraits. En fait, je fais un peu peut-être le même genre de cadre si je fais des portraits en photo et en vidéo. Mais en vidéo, tu vois, les gens te regarder quelqu'un pendant une minute par exemple. Tu as déjà regardé quelqu'un pendant une minute, toi? Non. Ben, c'est quelque toi, chose. Toi, peut-être. Non, eh bien, c'est quelque chose. C'est
ça c'est la durée et tout ce qui se passe, et tu regardes ce visage après sur ton écran pour voir ce que ça a donné, et tu vois tout ce qui passe par la tête, ça te raconte plein de choses, tu vois. Et c'est juste, c'est le même appareil, et ben voilà, tu vois, même cadre, même appareil, et ce n'est pas du tout la même chose, parce que si tu fais de la photo, tu dois saisir quelque chose qui résume tout. Et si tu fais de la vidéo, tu n'es pas du tout dans ce problème. C'est que ici, dans ce temps qui va se diluer, tu ne cherches pas un résumé, tu cherches des multitudes. Dis, sur le temps que tu réfléchis. Ouais, sur le temps que je réfléchis et à la, des photos à prendre. Hein. C'est ça, tu vois, je vois. C'est chouette que tu vois ici. Ouais, tu vois que je... Ouais, regarde ici. Tu vois la géométrie, tu vois le triangle qui se dessine, qui tantôt il n'était rien du tout et maintenant, tu as un triangle... Ça commence à être beau en fait, le soleil commence à tomber. Non, je suis contente parce que c'est la démonstration de ce que je viens de te dire. Oui. Que c'était une lumière pas chouette du tout et maintenant ça naît, ça va être bien pendant le temps que je te parle. On peut tout à fait arrêter l'interview et tu, on tu peut arrêter pendant veux, la nuit. Tu non veux qu'on arrête et on recommence quand tu as pris ta photo ? Ouais. Bon, Marie-Françoise, on va rester là pour ce soir apparemment. Pour les photos, tu veux dire ? Oui. Oui, pas entre nous, hein. Je parlais des photos. Ouais, on va rester là. Pourquoi il y a des jours avec, il y a des jours sans ? Il y a des jours on le sent ? Non, mais parfois tout tombe bien, tout parle. Et ici, ça ne tombe pas bien. Et donc aujourd'hui, c'est un soir sans. Bon, alors que la dernière fois, je suis venue et j'ai eu une pléthore de photos, tout marchait, etc. Ouais. Voilà. On reviendra. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres villes que celle-ci qui t'ont endiablé, je ne sais pas quel terme utiliser, mais où tu as pris de très très belles photos où endiablé, tu as été... c'est un bon terme pour Kinshasa, par exemple. Enfin, bon, y a mille raisons pour lesquelles on peut être intéressé par Kinshasa. C'est vraiment un extrême. Qu'est-ce qui se passe quand un pays, quand il n'y a pas trop quand il n'y a pas d'État, quand... Tu vois, comment une ville survit quoi en dépit de toute organisation. Ça veut dire que tu captures plutôt une atmosphère. Est-ce que c'est par le... Enfin, un esprit, une atmosphère. J'essaie de capter... Mais plutôt au niveau des gens ou au niveau de comment c'est organisé, de l'habitat, etc. Parce qu'on a un peu parlé des deux. Mais c'est les deux toujours, si tu veux. C'est toujours les deux. Je veux dire, quand tu fais de l'architecture, elle est construite par des gens, par des gens à un certain moment. Après, tu filmes des gens aujourd'hui. Eux, ils font le lien entre le passé et ils annoncent le futur. Et donc, il y a toujours les deux. Moi, ce que je trouve très intéressant, ce que je ressens par rapport à toi, c'est que tu es toujours à l'écoute, en fait. C'est vraiment la parole qui me fait faire les photos. La parole, l'écriture. Enfin, je lis beaucoup si je... Je veux photographier quelque chose, alors je vais lire dessus, j'écoute ce que les gens me disent, et c'est vraiment les mots qui rentrent dans les oreilles, qui sortent par mes yeux. Ça, c'est la musique. Je le mettais juste à 7h30 du matin. Plutôt des bâtiments anciens qui vont plus te parler ou des bâtiments contemporains? Écoute, moi j'adore entrer dans des maisons, j'adore entrer dans des bâtiments nouveaux, j'adore qu'un architecte m'explique ce qu'il a voulu faire. Oui. Ça, c'est comme du biberon. Oui. J'adore ça. Et s'il m'explique bien, alors ça me donne très envie de faire des photos. S'il se laisse vraiment aller dans sa pensée, tu vois, alors, et s'il me fait confiance, alors moi je peux, ça peut être très chouette, je peux me mettre dans, c'est ça, adapter ma façon de photographier et peut-être même inventer quelque chose de tout à fait nouveau si on me suggère, si on me parle bien. Ça veut dire que, quelle que soit l'architecture que tu vas voir, tu vas pouvoir la sublimer ou alors il y a des fois, même si l'architecte parle bien, tu te dis c'est quand même très moche. Et qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer ? Bon, bien sûr, le volume, ça, je le ressens toujours. Je dis, ah, c'est un super volume. Mais moi aussi, je suis dans cette contrainte de réussir. Tu vois, si le volume, je dis, comment ? Parce que l'architecte est dans une contrainte, il a une parcelle étroite, il doit faire un truc très allongé, Dieu sait quoi. Et donc,
comment est-ce qu'il va se débrouiller avec ça, mais moi aussi, je suis dans comment est-ce que je vais me débrouiller avec quelque chose qui, au départ, je trouve compliqué ou difficile. Ouais, ouais. Mais moi, ça me plaît beaucoup d'être confrontée à ça. Marie-Françoise, toi qui prends souvent de la hauteur pour prendre tes photos, qu'est-ce que tu penses de l'architecture, de l'urbanisme de Bruxelles? Qu'est-ce qu'on en a fait? Bah, tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de catastrophes. Hein. Oui. Bon, ça, on le sait. Mais tu trouves qu'on répare les catastrophes aujourd'hui? Mais je pense à un bâtiment, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est le Palais de Justice. Oui. Et je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont là pour essayer de le rendre, de le garder Palais de Justice. Mmh, mmh. Alors ça me fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais dire pour conclure cette émission? Vive la débrouillardise. Merci Marie-Françoise. On va donc se quitter là-bas sur ce magnifique paysage qui est derrière nous, puisque la nuit est tombée. Je voudrais m'excuser pour le vent, si vous avez entendu du vent pendant cette émission, mais bon, nous sommes quand même au 41e étage de la plus haute tour de Bruxelles, et donc il n'y a pas de vitre. Donc effectivement, nous sommes aux quatre vents. Et puis sinon, ben, moi j'ai passé un très très agréable moment avec toi Marie-Françoise, donc merci pour ces instants. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Tu m'invites pour découvrir ton atelier par exemple? Ah oui, je crois. Neymar. Bah, allons boire une bière. Allons boire une bière. Allez, go.